I want to know where I can go when you're not around and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I need you so, 'cause right now you know that nothing hears me, and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground, and she smiled at me and said, bonsoir à tous. La pomme de l'absolu, c'est le chakra du cœur. La pomme de l'absolu, c'est le chakra du cœur. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Late Night Radio Show. C'est I Love Divine. I love divine. I love divine. I love divine. With you forever. Dans tout son fractal. And I'll be glad. Jusqu'à son absolu. Yes, I love you, Poggy. C'est marrant à quel point lorsqu'on dissecte les mots et qu'on essaie vraiment de les comprendre. On adhère chacun à un univers. Et quand on entend des phrases ou qu'on écoute ou même on pense, chaque mot du coup prenne vraiment une résonance. Et les questions sont développées sur leur totalité, dans leur vraie profondeur. Et cette profondeur, c'est ce qui en fait est l'onde qui permet de revenir après vers le cœur. C'est qu'il y a une vibration profonde qui permet en fait de toucher le corps des choses. On oublie la puissance des mots. Les mots sont très puissants. Les mots sont très très puissants. Les lettres aussi. Les chiffres aussi. Pensez-y un peu. À méditer. À méditer. À méditer. Mais au-delà de ça, quand on voit cette résonance, et que du coup ça revient encore, donc ça revient, au chakra du cœur. Ah, c'est la notion d'absolu. C'est la pomme de l'absolu. Parce qu'elle a la père, père-mère, et elle est l'équilibre entre les deux, la pomme. J'avais déjà parlé des trois chakras. Le chakra couronne, le chakra du cœur, notamment le chakra racine, et le chakra du cœur qui fait donc l'électromagnétisme entre les pôles du corps physique, astral, causal, éthérique. Ensuite dans la monade, et après dans l'absolu, où ça devient carrément plus qu'une notion d'unité, mais il n'y a plus cette notion de polarité. La polarité étant donc en fait la densité d'une seule et même énergie. C'est marrant du coup, quand on revient du coup au chakra du cœur et qu'on a du coup en fait cette notion en fait toute réconciliée, d'un seul et même puissance, même force, mais qu'on arrive à tout équilibrer, bah du coup on arrive, oui je vais le dire, au lumineux Sepinoya, ouais, carrément, le lumineux Sepinoya. On a ouvert en fait le chakra du cœur. Ouvrir le chakra du cœur, c'est ouvrir la part de rêve qui est en soi. Ouvrir le chakra du cœur, c'est ouvrir la part de rêve qui est en soi. Si on suit tous la volonté du cœur, celle qui nous fait vibrer, celle où il y a notre volonté, bah tout ce qu'on aspire va arriver à nous. Par contre, si on est justement sur les surfaces,
et qu'on n'est pas dans la profondeur des mots, qu'on ment, qu'on n'est pas d'accord, quand on n'est pas en accord, même sur un bonjour, on dit bonjour à quelqu'un, mais on n'y met pas, on n'y met pas la vibration. Ça fait que les gens sont sur la couche, et ils sont froids comme je parle là actuellement. Ils sont plus dans cette légèreté que j'avais au début de la conversation. Ils sont durs, hein. Parce qu'en fait les mots n'ont plus de résonance. Ça atteint leur cerveau, et ils prennent une polarité. Oh, je suis féministe. Oh, moi je suis raciste ou je suis machociste. Macho. Enfin, chacun part dans sa polarité et en tenant sa position ferme. Mais du coup, étant donné que le corps n'a pas été touché, les choses ne peuvent pas être ressenties profondément. Et elles n'auront jamais leur juste valeur, parce qu'elles n'auront même pas la juste valeur déjà au sein même de vous-même. Parce qu'elle n'aura jamais été éprouvée. Cette énergie aura été uniquement éprouvée dans les polarités, mais elle n'aura pas été éprouvée justement dans le cœur même des choses, là où il y a votre être. Et, là, et lui qui va justement mettre la mélodie qui est en vous. Il va mettre la mélodie qui est en vous, l'harmonie de votre être. Cercle, le cycle of fifth. La mélodie harmonieuse. 15. Les deux sets. En fait, chaque principe est déjà équilibré lui-même. Chaque principe est triphasé. Chaque principe a déjà son équilibre dans son absolu. Lorsque vous arrivez du coup à avoir cet équilibre sur Upper Egypt et Lower Egypt, sur votre corps, vos instincts du coup primaires et vos instincts du coup de découverte, vos instincts en fait qui vous reconnectent à votre notion d'éternité et d'infini partout. Contrairement à uniquement des instincts sexuels et de pulsions en fait, comment dire, du côté vraiment reptilien on va dire, qui a de votre cerveau. Si vous ne faites pas cet équilibre entre les deux, déjà vous ne pouvez pas avoir un principe. C'est une fois que vous l'avez fait sur un premier principe, que là du coup vous pouvez équilibrer le deuxième par la suite, et ensuite pour terminer bah équilibrer même le nouveau vous. it's a new world order, la nouvelle terre. Ceux qui sont allés au chakra du cœur, on va tout exploser, on va sortir comme des champignons. Les gens ne vont pas comprendre ce qui va se passer parce qu'on allait chercher. On allait chercher en nous. Et tout le monde peut le faire. Mais il faut juste aller à contre-courant. Il faut juste aller à contre-courant. Et après, c'est la vie. La vie des fables. Qu'on peut juste raconter parfois avec des images. Mais voilà. En gros, retournez dans le corps. Retournez dans le corps. Dark side. The dark side of the moon. The subconscious mind. Cthulhu. The Nyarlathotep. The Azathoth. Azathoth. Azathoth, la pensée, pensez-y, la pensée, pensez-y, à méditer. C'était le Late Night Radio Show, c'est le freestyle de fin d'année, et je vous souhaite d'ailleurs tous un nouveau cycle extraordinaire, et au-delà d'une année, je vous souhaite simplement l'infini, l'éternité, et ça... Gardez-le au fond de vous. C'est comme si vous avez passé une petite clé. Et le jour où vous avez envie d'ouvrir le coffre-fort, bah vous allez rêver sur toutes vos réalités. Ça va être magnifique. Et ça l'est déjà. Ça a toujours été et ça sera toujours. Merci à tous. Haché aux ancêtres. Haché à toute la création, l'absolu, les monades et le beyond. Là, on prépare tout ça au chaud. C'est Aïn Production, c'est NMSS Book, c'est Late Night Radio Show. Bonne année à tous, bonne vie, bonne éternité et l'absolu derrière. Merci à tous.